Bonjour à tous! Salut! Et bienvenue sur Gameblog.fr pour un nouveau live. Ça va, Julo? Très bien, et toi? Bah, ça va top. Toi, a priori, tu es au 7ème ciel après la victoire du PSG contre. Au grand Barça. Et moi, je suis très heureux parce que nous écrasons la Ligue 1 avec l'OM. Donc, footballistiquement, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. Bon, j'espère que vous allez bien aussi. Bonjour à tous. Vous êtes déjà très nombreux sur le chat Twitch, où bien évidemment, eh bien, on va pouvoir prendre vos questions, vos interrogations sur Drive Club. Drive Club, c'est le jeu que nous testons avec vous en avant-première. Il sort quand exactement sur PS4? Il sort le 8 octobre, si je ne dis pas de bêtises. C'est le 8 octobre, mais j'ai peur de dire une bêtise. Très bien, alors, on va vérifier tout de suite. Mais le test est en cours, et le test. Vous l'aurez avant le 8 octobre. Bien sûr. Quel jour? Le 7. Mardi prochain, c'est le test. Aujourd'hui, ça va être essentiellement nos impressions. Oui, tout à fait. Nos impressions sur, déjà, ouais, c'est bien le 8 octobre. C'est ça, bah, tu vois, je dis pas que des bêtises. Nos impressions, enfin surtout les tiennes, puisque tu y as pu y jouer déjà depuis de longues heures, ouais. Sur une version définitive. Tout à fait. Alors, une version définitive, mais quelque part qui ne l'était pas complètement, parce que lorsqu'on a reçu cette version... Qu'est-ce donc, une version définitive, pas définitive? Eh bien, écoute, elle est définitive dans le sens où tout le contenu est dedans, mais ce jeu va beaucoup utiliser le réseau et donc la connexion Internet. Mm-hmm. Autant dire que sans connexion Internet, vous perdez 50% de l'intérêt du jeu, très clairement. Et donc, pourquoi pas complète? Parce qu'au départ, les serveurs n'étaient pas ouverts quand j'ai commencé à jouer, donc je me suis ennuyé un petit peu tout seul dans mon coin à progresser dans le mode solo. Je me suis fait un premier avis sur le jeu qui a beaucoup changé, qui a évolué. Voilà, à partir du moment où les serveurs ont pu s'ouvrir il y a quelques jours, et où j'ai pu créer mon club, le club Gameblog, dans lequel tu es invité, tu y arriveras bientôt. Dans lequel vous êtes invité aussi, d'une certaine manière. Alors non, parce que contrairement à Forza Motorsport, à Forza Horizon 2, pardon. Et d'ailleurs, je t'interromps juste un instant, oui. Parce qu'il y a Gamer Dreams déjà sur Twitter avec le hashtag Gameblog Live, ouais. Qui nous dit, alors impatient de voir s'il défonce Forza Horizon 2, que tu as extrêmement aimé, et je crois que tu n'es pas le seul. Non, je suis pas le seul. Alors, pour répondre à cette question, je te donne rendez-vous à mardi avec le test, dans lequel tu auras des critères de comparaison. Complètement incroyable. Voilà. Pour l'instant, je dirais qu'on se situe un cran en dessous, déjà au niveau du fun, mais il y a pas mal de choses dans Drive Club qu'on regrette de voir manquer dans Forza Horizon 2. Donc, à ce stade, je trouve que les deux jeux sont assez complémentaires. Ils sont très différents. Voilà, on a un monde ouvert d'un côté, des circuits fermés de l'autre. Il y a des clubs dans les deux, ils sont gérés différemment. Il y a plus de fonctionnalités en ligne dans Drive Club, de fonctionnalités sociales dans Drive Club, alors qu'on a peut-être des modes un peu plus originaux du côté de Forza Horizon 2. Bref, c'est deux jeux très différents. J'ai pris à ce stade un peu plus mon pied avec Forza Horizon, mais ça ne veut pas dire que Drive Club est mauvais, loin de là. Et puis, donc, il repose beaucoup sur, on le sait, sur le côté online, qui s'est débloqué depuis très peu de temps pour nous. Ouais, donc, c'est pour ça que le test est encore en cours, et c'est pour ça que pour l'instant, ça ne sera évidemment pas un avis définitif. Bonjour à Bibiz, et ouais, back en live, et t'as pas un, mais t'as deux Julien pour le prix d'un, c'est complètement incroyable. Ouais, on fait des packs. Exactement. Bon, Julo, il faut y aller. Bon, allez, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On lance une partie déjà, juste pour bien voir sûr, un peu à les gens veulent le voir. Jeu. Voilà, donc. Voilà, tu vois, Skarloff, on va voir ce que ça donne. Le gang des lunettes de retour, salut Seb, salut à tous, vous êtes avec nous. Et il y a le player qui nous dit, bon, de toute manière, Project Cars va tout tuer, on va dire, pour ne pas dire exactement le mot qu'il a utilisé. Et écoute, c'est marrant parce que tous ces jeux, et puis il y a The Crew aussi qui arrive, il y a beaucoup de jeux de caisse qui arrivent cette fin d'année. Alors, on va vous montrer des grosses bagnoles, voilà, supercar et hypercar. Comme vous avez pu le voir, les voitures sont classées par famille, là c'était les gars, supercars salut, et là les hypercars. Alors, je vais mettre plein pot quand même que les gens voient bien. Hop. Non, une petite Audi R8 par exemple, c'est pas mal. Alors je vais sélectionner cette voiture, je peux la prendre dans différentes coloris. Et évidemment, on a un jeu club, parce qu'on a un club et je vous montrerai ça tout à l'heure. Première question que j'ai envie de te poser, Julo, moi je vais jouer un peu le Candide pendant ce mais live. Vas-y. Techniquement. Ouais. On est sur un jeu qui est vraiment next-gen. Je sais que tu as pris une claque avec Forza Horizon 2. Est-ce que tu as pris cette même claque avec ce Drive Club qui est une exclu PS4? Non. Non, c'est même probablement un petit point qui va peut-être décevoir, entre guillemets, parce que bon, y a pas que la réalisation dans la vie.
Mais c'est vrai que quand on a une console next-gen, on s'attend à s'en prendre plein la face. On a joué à Forza Horizon 2 avant, et là, on se situe un cran en dessous, je dirais, d'autant plus qu'on est sur des circuits fermés, et que dans Forza Horizon 2, on est sur un monde ouvert, et qui reste tout de même un peu plus beau, voire nettement plus beau. Forza est plus beau, ouais. Plus abouti techniquement, tu trouves, que Drive. Visuellement, ouais. Visuellement, ouais. Moi, je suis étonné, il y a un côté... franchement, les circuits sont assez inégaux. Que j'ai pu en voir, il y a des endroits qui sont vraiment très jolis, très soignés, d'autres beaucoup moins. Il y a un côté un petit peu, je sais pas, je dirais pas flou, mais pas très défini à l'image en général. Alors ouais, je vois ce que tu veux dire. Les décors, c'est vrai que ils ont tous pu avoir un soin esthétique. Voilà, on sent que les artistes ont bien bossé, mais après il y a des petites lacunes techniques qui font qu'on les apprécie plus ou moins en fonction des parties, tu vois. Il y a des courses qui sont clairement plus jolies que d'autres. Mais globalement, on sent que c'est un jeu dont le développement a commencé avant même la sortie de la console, et qu'il était prévu pour comme un titre de lancement. Faut s'en rappeler, un Drive Club était un titre de lancement qui a pu avoir un délai de développement supplémentaire pour être peaufiné, en l'occurrence pour être amélioré graphiquement notamment, parce que c'est principalement ça qui a été mis en œuvre, c'était complètement supplémentaire. Mais voilà quoi, on va dire inégal donc en termes graphiques, et pas claque next gen quoi, pas super. Mais pas moche non plus, enfin, vous le voyez bien, la plus grande qualité on va dire graphique, ça va être deux choses. C'est la modélisation des voitures, qui est plutôt pas mal. Tu dis plutôt pas mal, parce que une fois de plus tu trouves que Forza est devant. Je pense que là-dessus on est à peu près au même niveau quoi. C'est des caisses vraiment bien modélisées, c'est un niveau standard plus quoi. Les effets de lumière sont quand même bien rendus. Et l'autre chose, c'est le soin esthétique apporté à la variété des décors, d'une part, aux décors en eux-mêmes, et puis effectivement aux effets de lumière qui sont très très bien foutus. Je ne sais pas si c'est parce que la PS4 propose une librairie, je ne suis pas technique, mais en tout cas ils sont vraiment très réussis. Voilà, par exemple, on est dans une portion de circuit qui est plutôt pas mal, on passe à côté d'un petit lac. Alors, ce qui m'a étonné en te voyant préparer ton test, c'est que essentiellement tu joues en vue extérieure, oui, c'est rare. Ouais. Et tu me dis que dans ce Drive Club, en fait, c'est la meilleure vue. Alors qu'il y a une vue intérieure, on voit carrément les mains normalement sur le volant. Voilà, alors il y a plusieurs vues intérieures. Il y a donc celle-là où ton regard est posé un peu juste derrière le pare-brise. Et puis il y a celle-là qui est une vue volant assez classique et qui manque de pêche. Hein. C'est un petit peu mou. On aurait aimé avoir des mouvements de tête et ce genre de choses. Et puis on a les autres vues externes. Dites-nous là sur le chat Twitch, est-ce que vous entendez bien? Apparemment le son du jeu est peut-être un petit peu trop fort par rapport à nos voix. Alors on a fait un petit changement, vous allez nous dire si tout est bon. Ce qui est bien, c'est donc a priori, c'est que le son doit être différent sur chaque jeu. C'est pratique. Et salut à tous, hein, salut Nico, salut Yosh, salut Calvin. Calvin d'ailleurs qui demande sur Twitter avec le hashtag GameBlogLive, est-ce qu'on peut utiliser le capteur de mouvement du DualShock 4 pour diriger les voitures? Non. Absolument pas. Non. Alors je pose une autre question, toujours avec le DualShock 4. Est-ce que le pavé tactile, la zone tactile est utilisée? Oui, alors regarde, tu vois, je suis dans les menus, je vais appuyer dessus et je vais me retrouver à la base du menu. Voilà, c'est tout. C'est absolument next-gen. Ouais. Là, on est bien. De la même manière, je pense qu'on va faire une petite série sur les petits défauts qui vont être relevés par tous les fans de jeux de course, hein, au niveau de l'IA, de différentes choses, les dégâts, etc. Vous avez vu une course, est-ce que je vous en montre immédiatement une autre ou est-ce que je vous explique un peu comment fonctionne le jeu? Allez, dites-nous. Il y a Sonato qui nous dit qu'il est d'accord avec Sandman, qui dit « J'ai presque l'impression que ce Drive Club est au-dessus de Forza dans l'ensemble. Visiblement, pour l'instant, de tes premières réflexions, remarques et attestations, pas trop. Mais je pense qu'après, ils ont en tout cas deux styles graphiques très différents. Ce qui va probablement faire choisir des camps, même si souvent vous êtes un peu dans le côté guéguerre des consoles. J'ai une PS4, donc je veux absolument que Drive Club enfonce Forza et vice versa. Nous, on va dire qu'on a le recul là-dessus. On a fait vraiment les deux jeux l'un après l'autre. Ils sont très différents et ils ont des qualités, y compris graphiquement, hein, différentes.
même si on a quand même une préférence pour Forza. Pour répondre à Florian Bad qui nous dit « Ce qui est bizarre, il y a des vidéos récentes du jeu qui est bien plus beau que ce que vous montrez. Ben, » Ah bah sache, oui, mais ça c'est le jeu, ça. Sache parce que ce qu'on te montre, c'est la version définitive du jeu, c'est le vrai jeu. Ouais, ouais. On s'est fait, pour tout te dire, je sais pas qui faisait cette remarque. Florian Bad. Bah écoute, Florian Bad, on s'est fait exactement la même réflexion. C'est-à-dire que quand on a lancé le jeu à la rédaction, je vais vous montrer un autre décor avant qu'on passe vraiment au menu et tout ça. Histoire qu'on papote un petit peu. Et puis on va changer de caisse aussi, on va prendre une féfée. 430 coups derrière. Une féfée. On va la prendre en rouge parce que bon, voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, on s'est fait la même réflexion. Voilà, c'est-à-dire que moi-même, je l'ai vu à la Gamescom, tu l'as vu à l'E3. Ouais. Effectivement, c'était pas pareil. C'était un tout petit peu plus beau. C'était même. Alors, est-ce qu'il y a un petit downgrade d'une manière ou d'une autre? On ne sait pas, très honnêtement, mais c'est vrai que je l'avais trouvé un peu plus beau. On va vous laisser juger, tiens, si on passait plein pot là, je vais vous montrer, ça c'est les décors qu'on nous montre avant chaque course. Bon là en l'occurrence celui-là il est un petit peu désertique, c'était peut-être pas le bon pour faire ça. Mais vous allez voir, voilà, d'un peu plus près, les bouts de végétation qui sont pas extrêmement détaillés. Les textures qui sont... voilà, ben, ça alterne vraiment entre super beau, super précis, bien travaillé, et du plus classique. Est-ce qu'on pourrait dire que ce n'est pas totalement homogène? Parce que là, c'est joli, là, quand même. C'est pas mal, hein. Non, mais attends, il faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit, hein. C'est un jeu, enfin, je veux dire, plus que correct graphiquement. C'est juste que quand on est sur Next Gen, un jeu qui sort un an après la sortie de la console, alors, on peut peut-être s'attendre à mieux. Les gens disent que ça a l'air d'être un peu grisâtre, et certains disent oui, c'est le stream qui donne cet effet grisâtre. Alors non. Non, c'est terne. C'est assez terne. Les couleurs, en vrai, ne pètent pas. Ce que vous voyez là à l'image, c'est vraiment ce que nous voyons dans notre téléviseur, et même celui quand il n'était pas branché sur le stream. Donc non, là vous avez véritablement le rendu du jeu. Puisqu'on est sur la partie technique, et qu'on sait que vous êtes très nombreux à y être intéressés, est-ce qu'il y a des saccades? Est-ce que ça rame? Est-ce qu'on est sur un affichage qui est constant, qui est fluide, Julo? Oui, j'ai pas vu de saccades. Au niveau de l'animation, ils ont bloqué à 30 images secondes, comme dans Forza d'ailleurs. L'important étant, toujours avec l'animation, c'est qu'il n'y ait pas ces fameuses saccades et que donc le framerate soit constant. Là, en l'occurrence, il l'est. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. En revanche, autre point technique, peut-être que vous allez vous en apercevoir en regardant un petit peu l'écran pendant que je fais cette course. Mais encore, c'est une manière de jouer qui est impressionnante. Tu cales ton pouce entre les deux sticks. Oui, j'ai besoin de caler ma main. Parce que je suis assez stressé sur les gâchettes, en fait, et j'aime bien les jauger. Bref, j'ai souvent des positions bizarres. Non. Il y a du popping, c'est-à-dire des morceaux de décor qui apparaissent un petit peu au dernier moment. C'est rare ou c'est fréquent? Ça dépend des circuits. Là, par exemple, on voit quand même extrêmement loin. Ouais, tu vas observer un petit peu, et puis, mais celui-là, tu considéreras qu'il n'est pas extrêmement complexe visuellement. Et pour ceux qui se diraient c'est un peu sombre, etc., il faut que vous augmentiez la luminosité, sachez que le circuit, là, en l'occurrence, est assez sombre. Il est sombre, alors attention, chaque course se déroule à 1 heure de la journée, et le temps passe. Pendant la course. En temps réel. Et il peut passer plus ou moins vite. Ça, c'est des réglages qui sont faits. Là, c'est des courses que je prends telles quelles. Mais effectivement, on peut commencer une course à 18h et puis voir le soleil se coucher et finir la course complètement dans la nuit. Alors ça passe évidemment beaucoup plus vite que dans un cycle réel. Et c'est fait exprès, mais c'est vraiment l'une des grandes qualités du jeu. Enfin, grande qualité. C'est un des trucs qui me fait kiffer dans le jeu, c'est ce temps qui passe et cette météo qui change pas, mais qui change pas bien. On a Sandman d'ailleurs qui nous précise que les développeurs, lors d'une petite featurette en vidéo, avaient justement précisé que les couleurs étaient dénaturées pour donner un rendu plus réaliste. Ouais, hein. C'est pour ça que ça pète pas dans tous les sens, les rouges sont pas cramoisis, etc. Mais c'est presque une tradition PlayStation, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu le cas de Gran Turismo aussi. Gran Turismo préfère le photoréalisme aux couleurs éclatantes. Voilà. C'est encore une différence avec Forza Horizon 2 d'ailleurs, qui est beaucoup plus coloré, beaucoup plus pétant. Quoi. C'est un peu la différence entre un PES et un FIFA. Oui, en termes visuels et de couleurs. Il y a Merlin le Poireau qui disait et qui s'en étonnait, il dit non mais attends, en fait donc c'est pas un monde ouvert, c'est des circuits séparés. Tout à fait, alors moi aussi bon, j'ai eu cette désillusion plus tôt qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, on s'attend aujourd'hui à ce que n'importe quel jeu de voiture soit un jeu à monde ouvert, c'est pas le cas. Voilà, c'est un peu comme dans, je sais pas, Gran Turismo par exemple, c'est des courses.
avec voilà, 12 concurrents. C'est 12 en ligne aussi. Hein. Alors, pour l'instant, tu n'es pas très fort. Parce que tu parles. Ouais, ouais, j'ai du mal. Tout à l'heure, vous allez voir, on va vous faire parce que honnêtement, il a son petit niveau. Et d'ailleurs, Gameblog, pendant longtemps, on a même fait des photos pour la tester, était numéro 1 du groupe dans le monde. Il y a une question de White Death 62 qui nous dit: niveau bande son, aucune musique pendant les courses? Alors, elles sont désactivées de base, d'accord, mais on peut les réactiver. Ok. Et il y a des groupes connus, etc. Ou c'est de la non, musique, non, c'est de la musique un peu. Enfin, c'est assez inégal au niveau musical. D'accord. Ouais. Si vous voulez, il suffit que j'aille dans les options et que je les active. Il y a Pi1000 qui nous demande: est-ce qu'on pourrait présenter une course avec du soleil, justement, pour contraster un peu? Est-ce qu'on peut les choisir? Mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a aucun problème. C'est ça les live game blog. Tu poses une question, on t'y répond. Tu veux un niveau, on te le donne. Allez, c'est parti. Comme ça, vous allez voir le contraste entre. Là, c'était une course qui se situait plutôt fin de journée. Où tu veux aller? En Écosse, en Norvège, en Inde? En Inde. En Inde. En Inde. Allez. En Inde. On va aller en Inde, on va prendre. On va aller aussi un petit peu sur Twitter pour voir ce qui s'y passe. Où est-ce qu'on va aller là sur ce grand barrage là? Il y a Loïc Villena sur Twitter avec le hashtag GameBlogLive qui te demande: Julo, est-ce que comme Forza il y a des microtransactions? Si oui, cela est-il exagéré? Il y en a pas pour l'instant, ça viendra. Il faut savoir qu'il y a deux DLC qui arrivent qui apporteront différentes choses, notamment un mode photo qui n'est pas encore là et les fameuses conditions météo qui ne sont pas de base. Eh ouais. Le jeu est livré sans pluie, sans neige, alors qu'on a vu à la Gamescom que c'était assez bien foutu, mais ça sera un DLC gratuit, hein, je précise. Okay. Mais enfin, à l'heure du test, à l'heure de la sortie, à l'heure où vous allez l'acheter peut-être en boutique, vous ne pourrez pas. Je peux mettre orageux, mais c'est... On va mettre extrêmement lumineux. Mettons alors, donc, ils voulaient quoi? Du soleil. Et là, ils veulent qu'on voit un truc qui pète. Alors, midi, voilà. Ouais, midi, nuageux, dégagé. 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 Voilà. Alors laps de temps, tu vois ça, x60, c'est pour que la journée se déroule plus ou moins vite. D'accord. Voilà, on peut faire x1 jusqu'à x60 pour le temps qui passe. Donc on va voir, voilà, j'ai mis maximum, on va voir alors on va mettre 14 heures pour voir la fin de journée peut-être. Il y a Seb qui pose une question sur la prise en main, sur la jouabilité, le gameplay et le comportement des voitures, ça donne quoi? Je dirais que c'est un des premiers points qui m'a un peu déçu. Au sujet de Drive Club, je trouve ça, et quelque part je vous l'ai dit dans les différentes previews que j'ai pu faire, j'ai pu voir le jeu à droite à gauche, j'aime bien les Ferrari, hein, je suis désolé. Et puisque tu es sur les voitures en même temps, c'est une deuxième question dans la foulée, est-ce qu'on peut customiser les voitures? Pas du tout. Demande The Initial Game. Pas du tout, pas de réglage, pas de customisation. Pas de macarons, pas de tuning, rien. Je vous vois arriver tous les fans de jeux de course là, il y a plein de questions auxquelles je vais vous répondre non et qui vont vous décevoir un petit peu. Voilà, le jeu n'est pas dénué de défauts. Et parmi eux, effectivement, il n'y a pas de dégâts mécaniques non plus. Aucun dégât mécanique. Juste cosmétique et assez léger, on va dire. Il y a l'O76 qui me demande en quiz express, est-ce que je sais encore dire de rien en japonais? Si je dis dozo, ça va? Ouais, mais c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. C'est pas le mot que t'aurais dû retenir. Non, c'est arashimashite. Ashinemashite. Doitashimashite. Doitashimashite. Qu'est-ce que t'as acheté? Des pizzas. Donc voilà, on est en plein soleil, en pleine journée. Il est quoi? Il est midi, tu as dit tout à l'heure? 14h, j'ai mis 14h. Et j'ai mis le temps qui va dégager. Passer à x60. Bon, là vous avez le plus lumineux qu'on peut avoir dans Drive Club. Après, là c'est l'Inde. Si on allait au Canada, ce serait des couleurs peut-être un peu plus chatoyantes. Il y avait une autre petite question où on nous demandait. On nous demandait, c'est Gamer Dreams avec le hashtag GameBlogLive. Est-ce que les collisions sont plus réalistes que dans Forza Horizon 2? Non. C'est clair. Alors, est-ce qu'il y a des déformations, etc. ou c'est juste des petites. Regarde, on va se faire une grosse collision. Hein. Ouais. Ah oui, c'est pas terrible. Il y en a même pas en fait. Bah en fait, parfois, en fait, c'est le Sony, c'est comme Gran Turismo, ils veulent pas déformer les voitures, quoi. Et alors, l'autre truc, c'est qu'il y a aussi des murs invisibles de chaque côté de la piste que vous voyez pas, bon, voilà, tu vois, il y a des pierres, une rambarde, on dit normal, tu vois, mais tu fais ça un peu dans le vide, des fois, aussi. Contrairement à Forza, où tu éclates toutes les barrières, aussi, comme ça. Pareil, la neige a exactement le même effet rebondissant qu'une bonne l'effet pierre. Rebondissant. Ouais, quand tu rentres dedans, qu'une rambarde ou qu'une pierre. Voilà, et alors les dégâts. Regardez. Voilà. Tournons un petit peu. Ouais, bon, quand même, hein, elle est sacrée. Ouais. Et alors on voit un peu devant là qu'elle commence à se casser. Est-ce que si t'insistes, ça casse plus?
L'arrière, juste devant le. Il y a un moment roue, où j'ai vu, je crois, un élément sauter, mais si tu vois, c'est. Mais faut y aller vraiment, quoi. C'est presque une légende, tu vois. Parce que par contre, elle est rayée, façon, limite un peu abusée, quoi. Bah, en fait, il y a beaucoup. Mais par contre, très bien modélisée. Très très bien modélisée, mais il n'y a pas de dégâts. Bah, regarde, attends. Alors là, c'est le test 60 millions de consommateurs qui vous prouve qu'un iPhone peut se plier, mais qu'une Ferrari, voilà. Elle... Ah, attends, le devant, c'est un peu plus... C'est fissuré. Oui. On commence à être au niveau de la fissure. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Bon, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour répondre un peu plus précisément à la question sur la conduite, on est dans l'arcade, on va dire, très légèrement simu... on va dire sans grande finesse, quoi. Ouais. Voilà. D'ailleurs, mais du coup, c'est accessible. On peut céder. C'est très accessible comme jeu. Bon, là, tu joues n'importe comment. Oui, non, mais c'est pour te montrer qu'en fait, je peux prendre les virages. Oui, en rebondissant un peu dessus. En rebondissant sur les voitures. Bon, là, il n'y a pas de voiture parce que je suis dans un time trial, mais tu vois, je peux un peu m'aider des murs. Et du coup, puisqu'on parle des voitures, il y a Shore qui nous demande combien de voitures dans Drive Club et de circuits. Alors, très bonne question, le nombre de voitures, tu sais quoi, on va faire... Allez, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est en live. On va faire la magie. Vous êtes super nombreux avec nous déjà. Merci d'être avec nous sur Gameloft. On est en direct, on est en live, et c'est nos premières impressions vraiment avec la version finale de Drive Club qui sortira, donc c'est le 8 octobre, mais le test complet, définitif sur Gameblog. Le jour d'avant, le 7, on vous donne rendez-vous. Là, c'est les premières impressions. Il faut jouer encore beaucoup, puisque c'est ce que Julo vous précisait tout à l'heure. Le mode online, qui est l'une des composantes clés quand même du jeu, a été ouvert juste hier, je crois. Hier, lundi. Non, c'était... On est quel jour? On est mercredi? Si. C'était lundi. Vendredi? Lundi. Lundi, oui. Oui, c'était lundi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ah, ça m'a rappelé. Pour ceux qui... 51 à sélectionner. 51 voitures. Voilà. Véhicules. D'accord. Dans plusieurs catégories, il y a les hatchbacks sportives, il y a les sports, il y a les hautes performances, et il y a les supercars et les hypercars. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut vous montrer, c'est une restriction, que les hyper et les super cars. Voilà. Histoire de ne pas vous montrer des courses de veau avec des Golf GTI et tout ça. Je crois qu'il est temps quand même de parler un peu du jeu et je suis obligé de vous scotcher un petit peu sur les menus et de vous expliquer comment ça fonctionne. Explique-nous, Julo. Voilà, on va essayer. Nous avons hâte de savoir. Nous buvons tes paroles, Julo. Très bien. Alors, conduire. On va nous proposer plusieurs choses. Voilà, faut choisir, évidemment. Solo, épreuve simple, multiplayer. Dans les épreuves simples, évidemment, vous pouvez faire des time trials, des courses ou des concours de drift, hein, parce que je sais qu'on pose souvent la question aussi. Est-ce qu'il y a du drift? Est-ce qu'il y a du drift? Je déteste le drift, personnellement. Ça me saoule, je suis mauvais, j'aime pas ça. Le multijoueur, que je vous montrerai un second temps, et le solo, quand même, que vous sachiez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, on a une série d'épreuves. Voilà, on disait tout à l'heure, c'est pas un monde ouvert qui va vous prendre et vous emmener à droite, à gauche, dans un truc de variété génial et tout ça. Non, vous allez enchaîner des courses. Vous allez faire une course. En l'occurrence, t'as les petits événements comme celui-ci qui sont sur une seule course et dans lesquels tu peux, en plus de gagner. Première place, deuxième place, troisième place, etc. Remplir des objectifs, terminer dans le top 3 ici, voilà, faire au moins 1500 points dans tel challenge, finir le tour en moins de 1,41, etc. Donc c'est les étoiles qui vont te permettre de débloquer les épreuves les unes après les autres et d'aller jusqu'au bout. Et comme tu peux le voir, comme je suis assez sérieux comme garçon, j'ai été jusqu'au bout. Tu es désormais une légende. Je suis dans le truc légende que j'ai pas encore commencé, voilà. Et donc quand l'image est un peu plus grande, et bien là, l'épreuve est un petit peu plus grande. Voilà, par exemple ici c'est deux courses et des objectifs sur l'ensemble des deux courses. Et t'as encore plus grand, voilà, comme ça. Ça c'est quand on passe vraiment de rookie à pro, etc. D'accord. Les vrais championnats dans lesquels il y a trois courses. Et des objectifs sur l'ensemble des trois courses. Les vrais ça. Voilà. Évidemment, c'est assez rapide. Hein. Moi, j'ai fait ça en trois après-midi
jeu, un truc comme ça. Mais vraiment, l'essentiel du jeu n'est pas là. L'essentiel du jeu, il se trouve un peu partout. Grâce aux possibilités sociales du jeu, et tout tourne en fait autour du club. Quand vous allez commencer le jeu, vous allez créer votre club et vous allez lui donner une couleur, un logo. Voilà, ça c'est le club Gameblog FR avec son logo trop mignon. Trop mignon, voilà. Trop kawaii. Son, une petite souris, je ne sais pas, une sorte de Mickey. Voilà, son niveau 14, ses membres. Alors, c'est ce que ah j'ai... oui, alors il y avait une question tout à l'heure. Sur les membres. Combien de temps pour arriver au niveau 14 de club? Oui. On a beaucoup joué, hein. Surtout Poufy d'ailleurs. Je sais pas, Poufy il a joué une nuit entière, plus peut-être quelques heures. Et quand on dit nuit entière pour Poufy, c'est vraiment une nuit entière. Ouais. C'est une bonne dizaine d'heures. Moi j'ai joué énormément en solo avant que ce soit ouvert, et donc depuis que c'est ouvert, j'ai fait une bonne soirée dessus. Dans le club, il y a Tras qui a fait quelques courses aussi, mais pas beaucoup. Et on a deux autres personnes, parce que j'avais laissé le club ouvert au départ. Voilà, Marco78, merci pour tous les points que tu nous as donnés, ainsi que BS Vita. D'ailleurs, on va devoir bientôt faire de la place parce qu'il reste plus qu'une place de libre et tu dois venir dans ce club. Et je crois que Cyril Drevet va venir nous rejoindre aussi. Exactement. Il y a Pimousfraise qui nous demande, je profite des menus pour reposer ma question sur la personnalisation des musiques avec ses propres musiques. Est-ce que alors, tu peux apporter tes musiques? À ma connaissance, non, mais c'est pareil, tu vois, c'est la magie du live, on va pouvoir aller le voir en direct dans les paramètres. Son, voilà. Son. Oui, musique de course, ça de base c'est à 0%. D'accord. Voilà, moi je l'ai mis à 50. Ils ont coupé la musique pendant les courses. Pour vous en dire plus. Écoute, non. Non, il n'y a pas plus d'options que ce que tu vois là pour l'instant. Très bien. Bon, les gens demandent que du jeu. Je peux quand même finir mon histoire de club. Bien sûr. À chaque fois que vous allez finir une course, vous allez gagner des points de fame, de popularité, comme on dit, des points de fame. c'est les points qui de sont célébrité. Là. De célébrité, voilà. Notoriété. De notoriété, ça doit être ça d'ailleurs. Ça doit être notoriété. Ces points de notoriété, vous les gardez pour vous quand vous n'êtes pas dans un club, et quand vous êtes dans un club, ils vont pour vous et ils vont aussi pour le club. Et chaque club a une position, du coup, après dans le classement mondial. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez le voir ici, Gameblog est actuellement 3e du classement mondial, en attendant que ça s'ouvre un peu. Mais on s'est fait vraiment coiffer au poteau aujourd'hui, je crois, hein, voire hier. On était premier, voilà, on a pris un screenshot, on était très contents. Et grâce à ça, vous allez débloquer des voitures qui vont appartenir à tous les membres de votre club. Uh-huh. Voilà. Donc faire monter la notoriété de son club, c'est aussi avoir plus de voitures, etc. Et l'autre truc qui est génial, et là vraiment, ça c'est super, c'est que dès que vous allez faire un temps quelque part sur une course, etc., vous allez pouvoir soumettre un défi. Uh-huh. Et un défi, ça peut être un défi individuel, vous le lancez à Trazom, par exemple. Ou un défi de club, vous le lancez à Gameblog FR. Donc voilà, on va lancer un défi. Voilà, vous voyez, j'ai 14 défis reçus et 6 défis en cours. Donc en gros, voilà, on m'a envoyé ces petits défis, par exemple celui-ci, qui expire dans 1 minute et 52 secondes. Je crois qu'il faut y aller. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Et qui est donc de battre en fait le record de la personne qui a lancé le défi. D'accord. Avec le... Ah, j'ai pas le droit. Ça, c'est terrible. Ah oui, parce que oui. Pour que vous sachiez, dans ce live-là, pour l'instant, on ne peut pas vous montrer tous les véhicules. Encore un peu de patience, on sent que des premières impressions. On va faire celui-là. Et déjà, c'est cool, on peut vous montrer en première le jeu, comme ça, que vous commenciez à vous échafauder un petit peu, à vous forger un premier avis avec nous, et on répond, comme ça, en direct live, à vos interrogations. Ici, avec le hashtag Gameblog Live sur Twitter, ou bien avec le chat Twitch directement. Et donc vous avez un centre de notification en haut à droite de l'écran, on voit que j'ai 4 notifications non lues, voilà, il suffit d'appuyer sur triangle et on les voit, voilà, il y a Airben machin qui a demandé à rejoindre votre club, il y a également des gens qui ont accepté vos défis, les gens qui ont relevé vos défis, qui les ont battus, etc. Et donc vous pouvez aller à chaque fois dans les défis en cours et voir où en est votre club. Voilà, Gameblog sur celui-ci est premier, donc pas de soucis, on est premier, toujours pas battu ici, toujours pas battu là non plus. Ah, il y a IGN Italie, parce que là il n'y a que les professionnels qui sont actuellement sur le réseau, qui a battu notre petit record. Est-ce que c'est une voiture? Et en même temps, je te pose quelques questions de lecteur pendant qu'on vérifie. Il y a Jidouez,
Il est où Gilouez? Il est là, Gilouez qui dit. Donc, sans abonnement PS Plus, Drive Club, pas intéressant? Si, parce que toutes ces fonctionnalités-là, tu les as sans abonnement PS Plus. D'accord. Le seul truc que tu n'auras pas, c'est le jeu en ligne. C'est-à-dire. Mais est-ce qu'il est majeur? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il change la donne? Oui, c'est sûr que oui. Alors déjà, pour une simple et bonne raison, c'est que l'IA dans le jeu est vraiment pas terrible. Ah. Et que c'est toujours mieux de se bastonner contre des êtres humains, réels. Mmh. On a une IA un petit peu tricheuse, élastique, comme dit Poufy. C'est-à-dire, on fait un petit peu ralentir ceux qui sont devant quand t'es trop derrière. Tu te fais doubler sans comprendre pourquoi, alors que t'es à fond par une voiture qui est derrière toi, etc. Assez énervant, ça. Assez énervant. Mais bon, c'est quand même accessible, même sans PS Plus. Voilà, tous les défis, les classements, tout ça, oui, tu l'as avec un abonnement, sans abonnement PS Plus. Avec l'abonnement PS Plus, tu auras en plus la possibilité donc de concourir en ligne contre d'autres adversaires humains. Allez, on va se lancer dans une course. Voilà, on va en Norvège. En attendant, une autre question. Tony, la conduite est-elle plus simple que dans Forza? Oui. Je serais tenté de dire... Oh, alors attends, non, c'est compliqué parce que Forza, moi je joue Non, il faut savoir, Julo. Non, alors, typiquement, dans Drive Club, tu n'as aucune assistance à enlever ou à mettre, ah, etc. C'est une question aussi. C'est la même jouabilité pour tous. Et elle est accessible. Mm-hmm. Arcade, voilà, pas vilaine dans les... tête à queue, etc. Enfin, on te laisse souvent en piste, elles accrochent bien à la... au bitume. Les temps de chargement sont pas très longs. Non, c'est plutôt une qualité. Ouais. Il y a Shore qui demande, il y a quoi comme mode online? Eh ben, on va aller voir ça après, peut-être. D'accord. On va lancer cette course. Tiens, tu as peut-être trouvé ça un peu plus joli, d'ailleurs, ici. La montagne. Montagne, ça vous gagne. Dans Forza Horizon, tu as, comme dans Forza Motorsport, des tas d'aides à activer ou désactiver, et moi je les désactive toutes parce que j'aime bien avoir une jouabilité un petit peu subtile, voilà, quand je fais un jeu de caisse, même si ça reste arcade. Est-ce qu'on peut avoir une vue un peu genre un peu capot et tout, pour voir si ça renforce l'impression de vitesse? Oui, bien sûr, là, ça va aller beaucoup plus vite et ça va donner l'impression d'aller plus vite. Il y a une question de BKN Panda. Enfin, c'est pas vraiment une question, ça, c'est une interrogation claire, c'est pas une affirmation, mais toi seul peux dire si c'est vrai ou pas. Il dit, en gros, c'est un nouveau Ridge Racer. Non, parce que ça, je trouve que les gens qui connaissent savent. Ridge Racer, c'est un jeu, c'est plus qu'arcade, c'est un jeu fantaisiste, dans lequel il y a beaucoup de techniques dans la façon de réaliser ces dérapages. Là ça va vite là quand même, de là, ça trace. Ouais, ça trace. Puis c'est fluide. Et puis il y a un joli effet de... Là c'est joli. Là. Ouais, non mais attends, le jeu est plutôt joli. Heureusement, enfin... Ah oui. Je fais n'importe quoi. Et je perds le fil, j'étais en train de vous dire... Ridge Racer. Oui, Ridge Racer quelque part... aspect technique dans sa jouabilité qui est complètement sorti de nulle part, complètement fantaisiste, mais voilà, il fallait avoir du doigté pour gérer ses dérapages, etc. Là on n'est pas du tout dans du Ridge Racer, c'est à dire que on est dans quelque chose qui se veut quand même réaliste entre guillemets, c'est à dire que votre voiture, si vous la mettez en travers alors que vous allez à 200 km/h, vous allez aller tout droit, quoi. Voilà. Y a quand même des pertes d'adhérence quand on fait des erreurs ou quand on va trop vite dans un virage, etc. Quand on accélère trop fort en sortie avec une hypercar, on va aussi partir en tête à queue. Bon, tous ces mouvements un peu logiques qu'on retrouve à peu près dans tous les jeux de voiture. Il n'y a rien de spécialement subtil dans la jouabilité, mais ça reste convenable, agréable, on va dire moyen, quoi. Voilà, c'est un jeu normal. C'est un jeu normal. Voilà, t'as vu le joli effet de en sortie de tunnel là. Un petit peu aveuglé. Voilà pour la jouabilité, quoi. Vous attendez pas un truc de fou, quoi. Voilà. Pas autant en tout cas que quand dans Forza tu désactives les différentes aides et que tu te retrouves avec une jouabilité vraiment subtile. D'accord. T'essaies de remettre un petit peu de. J'essaie de faire péter un peu les couleurs et tout pour qu'on essaie de voir un petit peu. Voilà. Parce que...
Parce qu'effectivement, avec Twitch, tu sais, ça y a une espèce de petit voile qui se met voilà. un petit peu dessus. Vous avez pu voir que j'ai gagné des points pour moi à gauche. Je suis niveau 29. Et j'ai gagné des points aussi pour le club. Il est temps de vous expliquer les challenges peut-être aussi. Explique-nous les challenges. Et pour ça, on va se remettre une autre course, mais encore dans un environnement différent. Je crois qu'il nous reste l'Écosse à voir. Il y a une question, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir qui est le meilleur. Exactement, forcément. Et donc il y a Trojan DTU qui nous demande, ça se rapproche des Dirt niveau sensation, non? Non, les sensations sont bien meilleures dans Dirt. D'accord. Voilà. Parce que... Attends, Dirt. Ah non, mais attends, Dirt, t'es sûr qu'il parle de Dirt? Il parlait pas de... Comment il s'appelle Je vais te dire. Grid Dirt. Ah, Dirt. Alors, Dirt, je sais pas trop. Dirt, je les ai un petit peu évité, les Dirt. Je pensais que tu parlais de Grid, en fait. Grid, qui est vraiment vachement basé sur les... Je prends une autre bagnole, aussi. Je te pose plein de petites questions, faciles, rapides, avec des réponses simples. Phil Sigma, est-ce qu'il y a des replays quand on finit une course? Je crois pas. Attends, on va aller voir. On y pensera à la fin de cette course. On va regarder, effectivement. Cario, Steph, proche de PGR2 ou pas? Oui, voilà, c'est une jouabilité un peu à la PGR. Avec plus de... En fait, tout est basé un peu sur l'adhérence et donc votre capacité à faire partir la voiture en sucette dans certains virages, à la garder bien sur le bitume dans d'autres, etc. Il faut jouer un petit peu avec l'adhérence. Gunther 4000, est-ce qu'il y a des rewinds? Non, il n'y a pas de rewind. La possibilité, non. Sur le foire, de boum, de revenir. C'est là que tu vois que c'est bourrin, c'est-à-dire que je peux aller sur les autres voitures. T'as une pénalité quand même. Ouais, et des fois elle s'active, des fois elle s'active pas. C'est une pénalité de quoi? C'est de points? Alors en fait, regarde, on va faire un truc. Je vais rentrer, mais alors, de toutes mes forces dans un concurrent dans le prochain virage. Et tu vas voir que je vais avoir une pénalité qui va en fait ralentir la vitesse de ma voiture pendant un instant. Ce qui est censé me pénaliser, voilà, c'est une pénalité. Est-ce qu'au niveau des couleurs là sur le live, est-ce que c'est un tout petit peu mieux? Parce que là on a boosté un petit peu, alors du coup pour nous c'est exagéré, mais peut-être que pour vous du coup, c'est un tout petit peu mieux. Vous allez nous dire ça. Mais il faut vraiment savoir, en gros ça ne pète pas, ça veut pas dire que c'est pas beau, hein, mais juste les couleurs sont pas saturées en vrai. C'est un choix artistique. Alors on a des bonnes sensations de vitesse comme là ça le trace bien là, quand même. Hein. Bon voilà, je mets de la rambarde. Mais il y a quelqu'un qui disait, mais en fait dans le jeu on freine jamais quoi. Alors vous ne le voyez pas, mais je freine. Hein. Frein. D'ailleurs, vous voyez que cette voiture, quand le truc du capot se lève, c'est que je freine. Ouais. Tu sais quoi? Et si on se faisait une course où tu te concentres juste sur la course pour montrer un petit peu, parce qu'en plus tu te bien. Et on la mettra en plein pot. Voilà, on est en plein pot. D'accord. Alors regardez, ça c'est un challenge. Il faut. Alors, à différents endroits de la piste, il peut y avoir un challenge dans lequel apparaît la tronche de votre copain qui a fait un meilleur score que vous sur cette portion de circuit. En l'occurrence là. Le challenge, c'est de suivre la trajectoire en gardant une vitesse élevée. Hop, j'ai fait, vous voyez en bas de l'écran, 3000 et quelques. Si Poufy, demain, fait le même circuit, il pourra essayer de battre sur ce score. Donc, je vous ai montré tout à l'heure les défis, qui sont en fait des défis sur une course entière. Attention, il y en a un autre. Je suis en train de rater un petit peu. Et bien, il verra ma petite tronche qui va apparaître, il va essayer de me battre, il va voir en temps réel ces petits points défiler. Et s'il passe au-dessus, alors, parce que là on avait une question, savoir s'il y avait des replays. Oui, on va voir. Donc on va voir, hein, parce que là on arrive en fin de course. En même temps, il y a Spike Spiegel 23 qui dit, mais c'est que des circuits d'un point A à un point B, pas de tour? Si, bien sûr, il y a les deux. Il y a des circuits de point à point et des circuits. C'est-à-dire des courses de point à point et des circuits. Et donc il n'y a pas de replay. Et là je vois pas de replay. Non. Il y a donc pas de replay. On a ta réponse. Je ne sais plus qui tu étais. Tiens, je vais créer un défi là. Voilà, j'ai fait un temps merdique. Hein. Tout le monde va pouvoir le battre. Et je vais l'envoyer à Poufy. Voilà ce qu'on va faire. Donc là, il te met toutes les dernières courses que t'as faites avec ton temps à chaque fois. Et donc tu dis, ah, c'est celle que je viens de faire ou alors c'est celle que j'avais fait avant. J'ai assuré. Bon, je vais lancer le défi sur celle-là. Je mets une durée. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir battre ce défi pendant 30 minutes là, si je le mets là. Une heure, deux heures, trois heures. Je mets une demi-heure, 5 minutes. Allez, vas-y, c'est maintenant. Et parce que si tu laisses que 30 minutes
et ben peu de gens vont pouvoir y jouer et te battre, et donc tu vas gagner des points une fois que le défi est fini. T'as une mise à jour quand tu rallumes ta console qui te dit votre tel défi vous avez gagné. T'as pas pris beaucoup de risques, hein, si tu mets 5 minutes à la fois, tu vois, tu vas les gagner tous tes défis. Oui, mais en même temps, mais tu gagnes, tu gagnes plus de points si tu mets plus de temps. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc on va mettre un défi de 6 heures ouvert à tous. Mm-hmm. Je pourrais le fermer uniquement à mes amis, le rendre privé. Et je vais ajouter en destinataire, voilà. Tiens, je vais l'envoyer à Fred Moulin. Allez, de Canal+. C'est parti. Je te rebalance plein de petites questions puisque vous êtes très actifs sur le chat. Merci à tous, vous êtes super nombreux sur le live. Merci, il y aura de plus en plus de live sur Gameblog de toute manière et ça nous fait plaisir de voir à quel point vous êtes fidèles au live de Gameblog. Il y a Rider288 qui nous demande... Les courses ne durent pas longtemps. Est-ce que c'est pareil sur chaque circuit, enfin sur chaque tracé? Non, il y en a des longues, et notamment des courses de point à point. Mais là, vous m'avez... La remarque qui a été faite tout à l'heure n'était pas forcément justifiée, parce qu'on a fait beaucoup de circuits, je crois, jusqu'ici. On va voir ça. Mais... contre la montre, on va retourner au Canada. Moi, je trouve que c'est les décors les plus jolis. Ok, autre question. Dark Vadore qui dit, est-ce qu'il faut la webcam pour ce jeu? Parce qu'effectivement, non, pendant très longtemps, au début, on voyait toujours la webcam. Pas du tout. La webcam, la PlayStation Eye. Pas du tout, vous voyez, moi j'ai mis ma photo beau gosse là. Alors que pas du tout. Alors que. Non, mais ça c'est la photo, c'est la photo beau gosse quoi. C'est la photo de Julo. Il faut savoir que je suis hyper maquillé sur cette photo. C'était quand je suis passé ma chaîne étudiante. Ouais. Si vous trouvez la vidéo qui a été Poufy, c'est mort de rire. Bon. C'est là où est né de Julo. Voilà. Et alors donc, vous utilisez simplement votre compte PlayStation, sur la PlayStation App, sur votre PlayStation, vous importez votre photo Facebook, par exemple, ça sera votre photo Facebook. Pas besoin de se prendre en photo, finalement, c'était comme ça dans les démos qu'on a faites du jeu jusqu'ici. Mais voilà, donc en fait, ce n'est pas du tout obligatoire. Et ça ne sert à rien, tu peux la brancher, il n'y a pas de... Ah, tu peux pas, tu peux te prendre en photo avec la caméra quand même. Pas dans le jeu, pas directement dans le jeu. Non, c'est ta photo de profil. Donc ça ne sert vraiment à rien. La PlayStation Camera ? Oui. Ah ouais, bah enfin, alors qu'il y a dans d'autres jeux. Non, mais je veux dire, alors qu'au début de la présentation de ce jeu, à chaque fois. Mais moi, je pense que. Ouais, mais je pense qu'ils ont fait ça parce qu'à l'époque, tu venais pas à l'E3 avec ton profil PlayStation. Certes, mais quand même, c'est-à-dire qu'ils ont codé un truc. Oui, ils ont codé un truc pour les démos. Ouais. Ok. Y a Shore qui nous dit je suis sur la bêta fermée de The Crew sur PS4, lequel a les meilleures sensations de conduite. Écoute, j'ai pas joué à The Crew, donc vraiment, j'ai joué à tout là sauf à The Crew. Donc je peux pas te le comparer. Adrien qui nous dit Drive Club, le mariage entre Destruction Derby, Ridge Racer et Wipeout. Oui, je suis vieille école. Est-ce que tu as bon dans son sens? Destruction Derby, je vois pas trop pourquoi. Parce que c'était un peu bourrin tout à l'heure, mais c'est pas le propos. Alors c'est bourrin, hein. En tout cas, on n'est pas du tout dans un gameplay à la Gran Turismo, par exemple. Ouais, Gran Turismo, c'est très très loin de Drive Club. Bon, là on a des questions concrètes, hein, Julo. Bacon Panda, si on a aimé PGR, on peut préco les yeux fermés? Oula, ce blanc. Oui, non, parce que là, du coup, on le compare à PGR, parce que j'ai dit que c'était un petit peu le même genre de gameplay accessible. Les gens veulent savoir. Mais PGR, c'était beaucoup plus dans le fun et tout ça, quoi. Là, on est plus dans un jeu de course sérieux. Hein. Sérieux, mais arcade. Mais oui, en termes de jouabilité, ouais. Ouais. Jouabilité arcade, okay. Mais avec un habillage un petit peu réaliste, sérieux, etc. D'accord. Brominou. Niveau fluidité comparé à Forza Horizon 2, c'est pareil? C'est pareil. Mais c'est pas 60 images secondes. Non, c'est 30 images secondes. Si vous savez compter les frames comme Poufy avec vos yeux, là... Jean-Marc Dalle, tout à l'heure, on a répondu à la question et il nous demande, on sait combien il y a de voitures, c'est quoi? C'est un peu plus de 50, hein, on les a comptés. Ouais, tout et puis après, il y en a d'autres qui vont arriver, évidemment, en gratuit. Des DLC prévus pour des voitures particulières, tu nous l'as dit. Des DLC pour... alors, pour des voitures, il y en aura évidemment, j'ai même pas besoin de vérifier ça. Mais par contre, il y a surtout deux DLC gratuits qui vont arriver d'ici la fin d'année, avec le mode photo et surtout, les conditions météo qui sont pas dans le jeu commercial qui va sortir le 8 octobre. Très bien. Loïc Villela, ne trouvez-vous pas que les améliorations sont légères pour justifier un an de report? Ouais, moi je pense qu'ils n'ont pas que de travailler sur... Je sais pas. Qu'est-ce qui clochait dans leur jeu? Je sais pas. Mais en tout cas, il est censé avoir été amélioré nettement graphiquement. Or, nous qui l'avons vu... à plusieurs étapes, à plusieurs moments. Voilà, ouais, il y a quand même eu des améliorations. Hein. Sur certaines choses, peut-être. Ouais. Ouais. Mais on sent que le développement était quand même un peu compliqué. Il y a eu des départs, etc. Et tout. Il y a dû avoir peut-être un peu de chamboulement aussi. Ouais. Même l'orientation. Bah, le simple fait, au début, il y avait la caméra, il n'y a plus... Enfin, bon. Phoenix, si on a aimé les pizzas 4 fromages, on peut préco les yeux fermés aussi? Bien sûr. Enfin, ah ça, oui. Là, il n'y a pas de problème.
Bah écoute Jean-Marc qui nous remercie hein, pour ce principe du live, c'est cool. Bah écoute, c'est cool à vous d'être là avec nous. Vous êtes près d'un millier avec nous en simultané. Alors que bon, il est quand même 16h46. Je sais pas ce que vous faites. Mais que faites-vous? Mais oui, mais vous travaillez. Vous êtes au bureau là. Les gens savent. Envoyez-nous des photos. Est-ce que vous voulez un mot à vos employeurs avec ça? Très très bonne idée. Envoyez-nous des photos. Vous êtes en train de le regarder comment ce live? Vous êtes chez vous, peinard, tranquille. Remarque, il est mercredi. On est mercredi. Où est-ce que le jour des enfants? Montrez-nous comment vous suivez ce live avec nous et envoyez-le sur Twitter avec là, ici, hein, le petit arrobase, le petit hashtag Gameblog Live et vous allez apparaître juste en dessous discrètement. De toute façon, vous allez comprendre en voyant jouer là que c'est bourrin. Gamer Dream qui dit « Je trouve que Drive Club est plus réaliste par rapport à Forza Horizon 2. Horizon 2, on dirait Sunset Overdrive, trop coloré. » Oui, oui, alors là tu parles de graphisme. Effectivement, on est dans deux choix, on va dire, orientation artistique complètement différents. Là, dans un truc un petit peu terne, proche du qui se veut, en tout cas, proche du photoréaliste. Regardez, là, on voit la photo d'un mec. Alors là, il faut que je regarde en bas de l'écran. Il faut que je batte le 168 de moyenne sur cette portion de circuit. Ah, mais là, je suis en train c'est de perdre énormément de temps. Non, mais si, c'est jouable. Ah et ben, il m'a battu. Et là, donc, tu vois Crash Bandicoot qui est toujours devant moi. Vous avez compris le système des challenges? C'est pas mal, ça. Hein. Ouais. Disons que ça dynamise certaines portions de course, ça crée des petites tensions pendant voilà. la course. Et honnêtement, pour avoir joué au jeu hors ligne avec aucune de ces options je commençais à m'ennuyer à enchaîner ces courses. Et là, je trouve que c'est vraiment un moyen de dynamiser le gameplay, la façon d'aborder le jeu. Quoi. Et ça déconcentre presque d'ailleurs, parce que t'as vu, j'étais plutôt en bonne position et j'ai perdu je sais pas combien de place. Regarde, là je lui rentre dans les fesses, aucun problème. Tu lui rentres dans les fesses, aucun problème. Très bien, vous aurez noté. Il y a Vincent qui dit, trouvez-vous que c'est une bonne exclue pour la PS4 en sachant qu'il y a Forza Horizon 2 qui a l'air de bien défoncer sur One? Alors, typiquement, si tu n'as ni PS4 ni Xbox One et que tu attendais un jeu de voiture pour te décider, je trouve que chacun dans leur genre, puisqu'ils ont un genre différent, on va dire chacun dans leur genre, Forza fait mieux que Drive Club. Mais ils sont quand même assez différents pour que tu puisses être tenté tout de même par Drive Club. Dont la principale qualité, je dirais vraiment 50% voire plus du jeu, de l'appréciation du jeu viendra de ses possibilités communautaires, en réseau, etc. Il y a Jean-Marc qui nous confie qu'il est en réunion et qu'il nous suit sur le smartphone, alors chut. Voilà, il y a Woolinsoon qui nous suit en travaillant. Ça y est, les premières photos sont en train de tomber. On vous les montre après la fin de la course. Vous avez commencé à nous balancer des tonnes de photos. Il y a Brominou qui mate avec Robucas sur la télé avec son fils de 9 mois. Enfin, on vous montre tout ça, mais après, d'abord, on laisse Julo finir sa course. Bah, ça y est, il a fini. Regarde, peinard sur le café, sur le. Voilà, il y a Carcel qui. Il est bien, il est tranquille, hein, sur le canapé. Donc tu regardes visiblement ton smartphone, hein, si je comprends bien. Voilà, Brominou, regarde. Il mate tranquille dans le salon avec son fils de 9 mois, on est bien. Il y a Woolison. Il est loin de sa télé. Qui regarde en travaillant. C'est bien, il faut travailler quand même, les gars. Il y a Pathé qui regarde le live au calme, voilà. Poser avec vous, mais c'est quoi? Tu poses les chaussettes sur l'écran là ou quoi? Je voilà. Je veux comprendre. Alors attends, si je grandis le truc. Oui, c'est ça. Ah non, oui, t'es allongé. Ok, t'es peinard quoi. T'es à la coupe fraîche. C'est Matmar. Marc Marche. Voilà. Alors j'en profite pour vous montrer là comment j'ai gagné ces points de fame. J'ai gagné 23 953 points. Qui vont aller pour moi et pour le club, donc comme vous l'avez compris. À gauche, le détail, challenge, c'est les petits trucs qu'il y a sur la piste que je vous ai montré. Battre le temps de machin, la vitesse moyenne de truc, etc. Prouesse, c'est tout ce que vous faites et comptabilisé, par exemple un drift, un dépassement, un secteur parfait, etc. Mm-hmm. Et c'est
c'est le principe du bonus et du malus, c'est-à-dire que si vous mordez la piste ou si vous rentrez fort dans un adversaire, que vous vous aidez de lui pour un virage, ce que vous pouvez faire sans aucun problème, bah vous aurez un malus de 200 points par exemple. Oh. Il fait beau chez Adrien, hein. mais effectivement, et vous êtes super nombreux à être au boulot avec deux écrans, et d'un côté vos fichiers Excel et compagnie, et de l'autre le live de Gameblog. Une autre petite course, Julo, qu'est-ce qu'on pourrait voir encore Vous pouvez voir à quel point je suis nul au drift. Très bien. Voilà. Quelle location nous n'avons... On a tout fait. Ah, on les a tous fait Là, c'est les 5 familles. Alors, attends. Et à l'intérieur, il y a plusieurs circuits. J'ai pas compris. C'est-à-dire que, ok, il y a 5 destinations. Ouais. Canada, 3, Chili, Inde, Norvège, Écosse, pas d'autres. Voilà, ça et c'est... Et à l'intérieur de chacune... Voilà, on va aller rentrer dans le Canada. Il y a des dizaines de circuits. 11. À chaque fois. Ouais, mais à chaque fois il y a du miroir aussi. Hein. Ça c'est. Ah. Bah voilà. Cayouche Point et Cayouche Point Reverse. Ah ok. Donc ça fait 1 en fait. Ok. Lee machin truc. Ah oui, à chaque reverse, fois il y a le 2. Reverse. Ah. Il y a Fraser Valley 3. Mm-hmm. Oliver's Landing 4. Et ensuite 5, 6, 7. Ok. Donc 7 fois 5. Bah qui sont plus ou moins les. On va dire qu'il y a une. Plus d'une trentaine enfin, de on va dire, non, vraiment spécifiques. On va dire 5. On va dire 5 parce qu'à mon avis, ces 3-là, c'est les mêmes. Ok, donc une trentaine. Donc 5, 10, 15, entre 20. 25 et 30 circuits vraiment spécifiques. Voilà, 25 vrais circuits. Ce qui... Et puis sinon, tu fais 11 x 5, 55. Est-ce qu'on pourrait faire 55 variations. Un tracé un peu urbain. On a toujours vu des trucs. Est-ce qu'il y en a? Parce qu'on a vu des grands espaces, etc. Mais est-ce qu'il y a des trucs un peu urbains? Pas vraiment. Pas vraiment de vraiment urbain. Je crois qu'au Canada. Au Canada, j'ai voulu voir des villes là vers la fin. Ouais. Oui, oui. Voilà, là. Voilà, ici. Bon, qu'est-ce que ça donne? Et pendant que tu sélectionnes, il y avait une question tout à l'heure. Et regarde, il y a Gage Bell qui regarde le live sur sa Xbox One. Il regarde le live d'un jeu exclu PS4 sur sa Xbox One. Ça, c'est bon. Qu'est-ce Il y a Dave B qui te demande, est-ce que les voitures adverses sont-elles aussi agressives que dans MotorStorm? Alors oui, c'est une IA agressive, mais pas dans le bon sens du terme, parce que vous savez, ouais, c'est une monoplace, je l'adore, ouais, super celle-là. T'as regardé comment il rentre dedans d'ailleurs, du coup il n'y a pas de portière, alors hop, on enjambe. Ça à chaque fois. Oui alors, tiens, je me rappelle, j'étais à la présentation Attends, de la PS4. Juste, ah oui, vas-y. Je réponds à cette question, c'était quoi la question? Ah. J'étais en train de répondre. Aussi agressif que MotorStorm. Oui, ils sont bêtement agressifs, parfois. Et surtout, c'est une IA tricheuse, entre guillemets, dans le sens où on ralentit ceux qui sont devant, on accélère ceux qui sont derrière. C'est pas Mario Kart, faut pas exagérer, mais voilà, ça donne d'autant plus envie de jouer en ligne. Parce que des fois, c'est injuste de voir un mec, alors que toi, t'es à fond, qui te dépasse. Vas-y, mets-toi en vue intérieure, là, parce que là, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a une vue avec les mains sur le volant? Ouais, pas mal. Et alors justement, c'est là où je voulais en revenir. Je me rappelle de la présentation lors de la PS4 en février... Ah merde, mais j'ai pris cette bagnole pour faire du drift, je suis un imbécile. Ah, okay. En février 2013, présentation de la PS4 à New York, grosse présentation de Drive Club, etc. Et l'une des choses qu'ils avaient vraiment accentué, c'était... c'est vraiment, tu sais, ta voiture, etc. On voyait le mec qui rentrait dans la caisse, on pouvait tourner autour du cockpit, etc. J'ai l'impression que tout ça a sauté, a disparu. Hormis la toute micro-séquence où on voit le mec rentrer dans la voiture. Je me trompe ou pas? Il y a juste la séquence où tu vois le mec rentrer dans la voiture. C'est ça, mais tu le vois pas vraiment le mec en plus. Quand t'as fini la course, des fois tu le vois à l'intérieur de sa voiture, les mains sur le volant. Mm-hmm. Voilà. Ça c'était une épreuve de drift. Le drift vraiment ne m'intéresse pas dans le jeu de voiture, je sais que vous oui, mais c'est pour ça que je vous le montre. Évidemment, pour chaque épreuve que tu vas faire, comme tu peux le voir, il y a un classement. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a plus de monde. Il y a Julien Hubert. Voilà. On essaie de répondre au maximum hein, de vos questions, mais vous êtes très très nombreux. Lowe06, y a-t-il un système équivalent au Drive Avatars de Forza ou uniquement de l'IA? Malheureusement, non. Et donc, oui, uniquement de l'IA. Il n'y a pas vraiment d'originalité de ce genre. C'est vraiment un jeu de course assez classique en dehors de son aspect social. Noon qui nous dit, est-ce que c'est la démo ou est-ce que le jeu complet? Non, c'est le jeu complet. Si c'est la démo, est-ce que la démo est dispo? Non, c'est le jeu complet là que je vous présente. Tout à fait, c'est le jeu complet.
Ah oui, alors une question, alors je vais la voir passer, vous êtes déjà quelques-uns à l'avoir demandé, ça parlait des sons en gros, les sons des moteurs, voilà, mou, 38, 50, et les sons des moteurs, Julo. Ils sont pas extrêmement variés en fait. Mm-hmm. J'ai pas noté de soins particuliers apportés à cet aspect-là. On va essayer, hein, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme voiture, ce qui fait une supposément un beau bruit. Bah, ça, ouais. Une Ruf. Alors la bleue, attends, parce que j'ai l'impression qu'on l'a déjà pris celle-là. La bleue, on l'a pas pris. Elle a l'air belle. Ah bah, du tout pareil. C'est normal, ça c'est notre club Gameblog. D'accord. Je peux la prendre en bleu. C'est très bien. Je peux la prendre. Et alors, moi je pose une question, mais il va falloir que je m'en rappelle. Voilà, je viens de m'en rappeler. C'est un jeu de caisse, très bien. Oui, j'ai envie de jouer avec toi. On peut jouer à deux sur le même écran, split-screen et compagnie ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ça c'est quand même dommage, moi je trouve. C'est un truc, ouais, Forza, ça, pareil. À l'époque, fut un temps quand on était jeune. Parce que c'est quand même cool là, tu vois, on pourrait se faire une course. Ceux qui suivent bien les tests de jeux de voiture sur Gameblog le savent, on le précise toujours dans les tests. On le met dans les points positifs quand il est là et on le met dans le point négatif quand il est là. Donc là, il n'y en a pas. C'est que du multi. Voilà. Vous venez d'avoir un des points négatifs qui sera dans le test. Donc ça c'est le, tu vois, c'est ce qui est le plus urbain a priori. Non. C'était, on pensait que c'était urbain parce qu'on a vu voilà les gradins, je pense que c'était ça. Voilà. Voilà, tu vois, c'est quand même, tiens, ça c'est mon record. C'est mon record. Il y a ma tête dessus. Je suis en train de battre mon propre record. Mais voilà. Vous voyez là ce qui m'a fait, c'est pas bien. Et alors, et si on se faisait vraiment, genre tu recommences la course à zéro, on se fait. On se fait juste un tracé, on parle pas. D'accord. Et genre là, t'essaies de faire genre la meilleure perf, qu'on se glisse vraiment dans la peau là du truc, on va même couper le son, on va juste se mettre en immersion totale, comme ça vous allez pouvoir profiter, c'est parti. Pas premier, le live s'arrête instantanément. Et là c'est foutu. Bon bah je crois qu'on est dans la merde. Alors les pénalités c'est quoi? Si tu coupes un virage, là, alors, virage voilà. T'es sanctionné en temps. Ouais, là je peux plus, je peux pas aller plus vite que ça. Ah d'accord. Je suis à fond sur l'accélérateur. D'accord.
Bon, j'ai fait un peu de la daube, mais c'est pas grave. Ta performance, Julot, laisse à désirer. Ah, je suis déçu, je suis déçu. Néanmoins, j'en profite pour faire un petit coucou à Eddie McFly, en direct de Montréal. Salut l'ami, pour le fun, bah oui, c'est l'heure du petit-déj, hein. Il est tranquille. Bon café. Voilà, il y a Plémo qui est au boulot, qui est tranquille. J'aime bien vos boulots. Ça a l'air sympa. Le nôtre est pas mal non plus. C'est vrai. mais nous, au moins, on n'a même pas besoin de se cacher. C'est ouais, ça qui est c'est bon. Ça. Oui. On se montre au monde. Il y a un grand merci à Stéphane. Stéphane Bonfiglio qui nous dit « Trop bon les lives de Gameblog, continuez, vraie valeur ajoutée. » Merci Stéphane. Nous, en tout cas, ça nous fait plaisir. On adore passer ces moments avec vous. Les lives, c'est cool. Vraiment, on est super content de pouvoir vivre ces moments-là. Puis en plus, ça, c'est vraiment sympa, puisqu'on peut vous présenter le jeu vraiment en avant-première. Ah, on vous a pas montré de course de nuit? Ah non. Bah, on va faire ça. Ah bah oui, ça c'est bien. Oh, attends, on va essayer. Ah, il y a blogmoteur.com qui nous dit hey, Gameblog, un petit défi en live sur Drive Club, ça vous dit? Bah, genre, bien sûr. J'ai envie de dire oui. Bien alors, sûr. Comment qu'on fait? Eh bien, envoie-nous ton défi. Envoie-nous ton défi, blogmoteur.com. Et on va relever le défi. Mais alors attends, dis-nous par contre quel est ton pseudo qu'on voit qui nous envoie le défi. Parce que si probablement tu... Blog Moteur. Bah si c'est ça, très bien. Gamer Dreams qui nous dit, peut-on choisir le mode de transmission manuel ou automatique? Écoute, je joue en automatique là. Je n'ai joué qu'en automatique, on va regarder ça. Mais oui, enfin, ça me paraît évident. Quand même. Il y a Gaol61 qui dit le gameplay a l'air très rigide, l'on appuie... Non, c'était pas un L, c'est un point d'exclamation. On s'appuie sur les voitures, on cède des rambards, etc. Ça me fait penser à un vulgaire jeu de course avec quelques défis de temps en temps très basiques. Oui, c'est sûr que c'est une jouabilité assez basique. Voilà. Par contre, c'est joli. Là, de... Voilà, bah, de nuit, c'est toujours sympa, parce que évidemment, t'as moins de détails, donc ça fait plus réaliste, t'as moins de détails visibles, donc... Alors il y a Mishma57 qui dit vraiment vu cockpit de nuit please. Est-ce que t'as assez là où on voit les mains? Voilà. C'est joli. Puis ça, au moins c'est pas du 60 images secondes mais c'est fluide, c'est constant. Il y a Earthbreaker75 qui dit ça sent le 3,5 étoiles sur Gameblog. Eh bien écoute, la réponse c'est simple, on va te la donner tout de suite. Rendez-vous le 7 octobre à 15h je crois. Est-ce que tu as pu tester la compatibilité avec les anciens volants? Non, pas du tout. C'est vrai qu'on nous le reproche souvent, on teste les jeux comme la majorité des gens les jouent, à la manette. Ralph Grand, l'argument d'un Forza Horizon, c'est le monde ouvert. L'argument d'un GT, c'est l'avalanche de contenu. Celui-là, c'est quoi? Le social. Les fonctions, les fonctionnalités sociales. Vraiment. C'est le truc le plus cool du jeu et ça lui donne quelque part de l'intérêt supplémentaire par rapport à ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire une succession de courses assez jolies. Mais pas extrêmement poussé en termes de jouabilité, de sensation. En tout cas, là, vous êtes très nombreux à réagir. Cette course de nuit vous plaît beaucoup, visiblement. Vous êtes très séduit par les graphismes, mais c'est vrai que c'est joli. Hein. Et puis ce que je vais faire juste après, c'est qu'on va en faire une autre, mais en fin de journée, avec du coup le soleil qui se couche et la nuit qui arrive progressivement. Ça vous va, ça? C'est bien, ça, comme idée. C'est vraiment trop super. Alors il y a Blogmoteur qui nous a envoyé le défi. Okay. Time Trial en Venom GT sur le compte. Oula. James456FR. Ok. Donc on se fait le défi en live avec blogmoteur.com dans quelques instants. Karim Benjedek qui demande est-ce qu'il y a un circuit de Monaco? Non. Pas du tout. Puisque ce sont que des circuits imaginaires. Mais ils se sont servis de données géo, oui. Satellites, etc. Après, ils ont inventé autour. Voilà. C'est fantaisiste. Allez.
Earthbreaker75 qui nous demande, j'ai pas vu, les voitures se débloquent progressivement, on les achète, il y a un garage. Oui, oui, alors les voitures se débloquent petit à petit de deux manières, en progressant toi-même personnellement et en faisant progresser ton club. Le club souvent déverrouillant une voiture pour à peu près chaque catégorie qui est surpuissante. Ce qui permet ensuite de retourner dans les précédentes épreuves du mode solo dans lesquelles t'as pas réussi à avoir toutes les étoiles, bah là avec une voiture un peu plus puissante t'y arrives plus facilement. Donc voilà, c'est très très important la création de club et l'aspect social. Game qui dit c'est moi ou l'IA est excessivement rapide en ligne droite et inversement lente dans les virages. Ouais ouais, non mais franchement l'IA elle est pas terrible. L'IA est pas terrible. Tu la sens tricheuse, donc ça en général ça plaît pas aux joueurs. Moi ça me plaît pas de voir alors que je suis à fond le mec derrière qui me rattrape quoi qu'il arrive et de la même manière des fois t'as l'impression presque qu'ils t'attendent, ça c'est chiant. Donc on a un défi à relever. Oui, alors nous allons donc comment on fait déjà alors j'appuie sur le pavé central pour retourner au menu de base. Il y a des petites indications. Soit je vais dans défi, tu vois là j'ai 24 défis en cours. Soit j'appuie sur triangle. Clac, pour aller en haut à droite de l'écran, tu vois, j'ai 6 notifications en jaune. Hop, et là je vois. Ça ne m'a pas l'air d'être. C'est pas lui. Vous avez atteint le niveau 2. Ah, c'était fait Bonaldi. Alors, on va aller voir directement dans les défis de club. D'accord, donc en fait, il faut aller dans les défis. Bah, normalement, non. Normalement, tout apparaît. Reçu. Là. Reçu, clap. Alors, est-ce qu'on va trouver Bug Motor? On va voir. Puisque nous sommes en direct, hein. Il est bien 17h07, 5h07. Nous sommes bien le mercredi 1er octobre, c'est ça. J'ai vu quelqu'un qui me demandait si j'avais mon permis, je sais pas pourquoi. Ouais. La présentation avant-première de Drive Club qui lui débarque le 8 octobre prochain, donc la semaine prochaine, et le test, le verdict définitif, il arrive sur Gameblog le 7 octobre. Alors est-ce qu'on trouve son Train Truction, c'est ça qu'il t'avait dit son... Non, du tout. Il s'appelait Jemzer 765. Bah écoute, moi le dernier défi de club que j'ai reçu, tu l'as bien envoyé à Gameblog. J'espère. Il faut que tu l'envoies. Oui, il faudrait que vous le rajoutiez en ami PSN avant, non? Non. Ah, James, tu vas là? Ah, le voilà. Envoyé un défi contre la montre. Vous avez réussi une alerte de jeu. Bon. Et ça vient d'arriver à l'instant là. Voilà. Avec un petit temps de retard. Bon. Voilà, il y a un instant, James456FR a envoyé un défi contre la montre individuelle consistant à battre un temps de 1 minute 15 secondes 437 centièmes sur Tamil Nadu Circuit V1. Destinataire, vous. Bon, Julo, t'es mon poulain, ouais. T'es mon champion. Allez, putain de bordel de merde, on va y arriver. Allez, on va les battre. Y'a quoi là, Marquinhos style? Allez. Alors, détail du défi, voir le profil du pilote, voir le profil du club. Bon, allez, on va aller dans les détails du défi. Je pourrais le transférer aussi à Poufy si je voulais. Je vais te montrer comment. Mais voilà. Subrepticement, quand je vais passer en plein pot, de toute manière, Poufy va prendre la manette. Et à la fin, va redonner la manette à Julo. Juste pour te montrer que le défi de James, qui a l'air d'être un sacré pilote. Après, blog moteur, a priori, le mec est un spécialiste de l'automobile. Ça tourne, ça a l'air de charger. Il doit loader quelque chose. Je vais revenir en arrière et revenir dessus. Hein. Elle est plus là. Il est là-haut. L'effet Bonaldi, hein. Merci hein, James. L'effet Bonaldi, Didi, Darli, Dadada. Une erreur est survenue.